Égorge-le, qu'est-ce que t'attends? Allez, mes idiots, tiens! Les gens veulent du sang, et nous devons le faire. Nous sommes 8 dans l'arène, mais nous allons faire un combat en 1 contre 1. Ah, mais je ne peux pas le soulever. Ah, mais il faut que je... Je suis obligé de le faire le jour. Eh oui, je ne peux pas l'attaquer autrement. En garde. En garde, nouveau volontaire. Tu vas clamser. On your god. L'avantage, c'est que maintenant qu'on est prêtre, on peut se soigner. Bon, on n'a pas de... On n'a plus de pété, mais c'est pas grave. Ok, craint la lance. Ok, ça c'est pas très cool. On va faire aptitude épéiste. On va faire katana revanchard. Comme ça, dès qu'il nous attaque, on lui éclate les tranches. Et paf. Prepare yourself. Here I come. Est-ce que je le fais juste, je peux le taper? Pas besoin de plus pour le moment. Ouais, j'ai vraiment pas besoin de faire plus. On l'a éclaté. On a 5 niveaux de plus, hein, que ce qu'on est censé avoir pour le chapitre. Oublier une aptitude et pour apprendre celle-ci. Frappe tous les ennemis à la hache. Ah, pourquoi pas. Frappe un ennemi à sa hache. On va plutôt faire ça. Ça, c'est tous les ennemis d'un coup. Et il s'en est plutôt bien sorti. Et d'où vient cet épéiste? Je n'en attendais pas moins de vous, Ikari. Votre technique était irréprochable, comme toujours. Explique-toi, Kazan. Mais sache que si ce que tu dis ne me convient pas, ta coupe finira par terre. Calmez-vous donc, monseigneur. À vrai dire, j'aimerais que vous deveniez un gladiateur. Je te demande pardon. Il y a toute une panoplie de procédures ennuyeuses à accomplir pour devenir gladiateur. Mais vous, avec ce que vous venez d'accomplir dans l'arène, vous n'en avez plus besoin. Eh oui. Attends un peu, pourquoi devrais-je me battre pour toi? Pour de l'argent peut-être. Ouvrez donc ma bourse et constatez par vous-même. Elle est complètement vide. Il se trouve que votre aigle est endetté jusqu'au cou. Je ne peux pas partir d'ici sans avoir remboursé ce que je dois. Génial. Les jeux d'argent. Je vois que tes vices ne t'ont pas quitté, Kazan. La vie est aussi âcre qu'un mauvais alcool, et sans accompagnement, est encore plus difficile à avaler. Est-ce que cette arène est un nouvel endroit où on pourra farmer du gold en faisant des combats? Peut-être. C'est simple. Je parie sur votre victoire. Vous continuez à gagner vos duels. Et lorsque je serai acquitté de mes dettes, je vous viendrai volontiers en aide. Eh bien, s'il me faut juste me battre, pourquoi pas. Je savais que je pouvais compter sur vous, Seigneur Ikari. Vous avez vraiment l'étoffe d'un roi. En voilà d'autres, c'est ça? Et ils sont 4 contre un gros. Ah, ça va commencer. Évidemment, c'est notre prochain adversaire. Ah, et c'est la nuit cette fois. À 1 contre 4, il les éclate. Et il va pas de main morte. Au vaincu, la mort. Bande de lames. Ah, il y a même les dialogues. L'homme au sang cadavre, bord de l'âme. C'est le seul ici qui n'a jamais perdu un seul combat, avec 100 victoires à son actif. Sa lame a exécuté tant de miséreux, mais personne n'a encore réussi à lui faire lâcher. Il a très certainement l'air puissant. Hmm.
Car il y a une posture, du coup. L'autre l'a repéré. Seigneur Ikari, il s'agit là de la véritable nature de cette cité de plaisir. Une bande de pauvres bougres couverts de blessures et forcés à se battre jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus debout. Dans des duels à mort. La bourgeoisie riche se rassemble ici en secret et mise des sommes d'argent astronomiques. Mais pour participer à ces duels à mort, il faut avoir fait ses preuves dans l'arène. Tu veux donc que je remporte ce duel, c'est bien ça? Vous savez que vous ne vous défileriez pas. Le problème, c'est qu'ils vont pas vouloir nous lâcher si, une fois, si on a buté le gros, là. Ils vont dire, ah ben non, vous restez là maintenant. Si vous êtes prêt, allons-y, monseigneur. On va se coincer dans l'arène, appuyez sur plus. Une arène, regarde-moi tous ces accros au Paris. Les jeux de hasard sont très populaires auprès du peuple de Kou. Ils nécessitent de la chance plutôt que des compétences, mais Kazan était plutôt doué. En plus d'être malin, c'est aussi un sacré vénard. Je me demande bien comment il trichait. Yes, bien raisonné, Troné. Surtout qu'en plus là, il a tout perdu. Hein? Qu'importe le jeu, il y a toujours moyen de tricher, tu sais. J'ai passé pas mal de temps dans une salle de jeu et j'y ai vu toutes sortes d'escrocs. Du coup, je m'y connais plutôt bien en fraude et magouillage en tout genre. Quelle tristesse. Un duel devrait pourtant avant tout être équitable. Je suis d'accord, et c'est bien pour ça qu'il est important de connaître tous les moyens de tricher. Après tout, tant que tu n'arriveras pas à reconnaître la tricherie, tu n'arriveras jamais à rien dans les jeux. Ok, ok. Alors on va prendre part au combat, mais avant cela, on va aller se reposer peut-être. Non, c'est pas là. Est-ce que j'ai besoin d'acheter des choses, cela dit? Je crois pas, hein. Ah, y a un super sceptre là pour Telemenos. Pas tant que ça. Ouais, si, quand même, pas mal. Pas mal le sceptre de pour Telemenos là. 23 000, ça coûte une blinde. Le petit chapeau pointu. Petit chapeau stellaire. La cape de plume. Ah, mais cela dit, on en a. On en a une de cape de plume, je crois. Robe de sorcier. Ouais, mais ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte une blinde. PT max plus 30. Ça coûte une blinde tout ça. Est-ce qu'il y aurait pas des. Attendez. Acheter. Il y a des feuilles de je sais pas quoi là. Composant pour remède, octroie un regain de santé. Composant pour remède, octroie un regain de santé ou de motivation selon l'astre qui brille. Ah, en fonction du jour-nuit. C'est quoi l'intérêt du coup? Oui, polyvalente. Motivation. Bon, on peut en acheter quelques-uns. Allez. Ça sera pour Casti. On a quoi d'autre? On a l'auberge. Non. C'est la taverne ça. Je cherche l'auberge, elle est là. On va dormir, comme ça nous récupérera nos PV et nos PT. Ce qui va être important si on enchaîne les duels. Et qu'avons-nous d'autre? Il y avait l'armurier qui était dans l'arène. Est-ce qu'il y a un... On va aller peut-être sauvegarder. Il doit y avoir un notebook. Voilà. Et parfait. On va pouvoir maintenant se rendre dans l'arène et enchaîner quelques combats, hein, je suppose. Let's go. Arène souterraine de but au sage. Hop, il y a l'armurerie. Bonjour, est-ce que vous pouvez me vendre des choses? Bon, l'épée c'est naze, la dague c'est ok. La dague est ok. Ça augmente la vitesse, l'attaque physique. À 20 000, mais ça coûte une blinde. Bouclier à plume. Tenue de gladiateur. On s'en fout. Je voulais voir mon équipement du coup. Équipement. Bâton de fortune, c'est de la merde. Voilà, ça c'est mieux. Et du coup, tu as le casque. La cape à plume, c'est toi qui l'as prise. Ok. Ouhouhou. Tu as la boucle, je prends la défense. Vas-y, go. Hop, on n'a rien besoin de plus, je pense. Faut s'inscrire.
Tu veux participer au prochain combat ? Participe au prochain combat. C'est parti, vas-y de plein cœur, amuse-toi. Il meurt. Ah, le revoilà, l'épéiste de l'Ouest. Montre-leur de quoi tu es capable. Ah, c'est un contre trois. Vos épées. Si vous les avez dégainées, c'est que vous êtes décidé à vous battre. Ne me sous-estime pas, sale saint de l'Occident. Eh les gars, venez, on va aller faire sa fête. Vous battre, un à un, serait trop fastidieux. Attaquez-moi tous en même temps. Le charisme, le monsieur. Un contre un, c'est trop facile. Trois d'un coup, c'est mieux. Défi cette personne, let's go. En garde, je vais faire le ménage et commencer par toi. On your guard. On your guard. Prepare yourself. Aptitude épéiste, on va faire la posture de combattant ultime. Know the depth of my skill. Hop. On a provoqué son adversaire. Ça ne marche pas. Je vais faire une attaque. Ils craignent tous l'épée. Ah non, ils craignent pas l'épée devant. C'est embêtant. Ils sont trois. Hein. Ça tape vite, hein. À trois. Prepare yourself. Là, ça tape un peu moins vite du coup. Crains probablement la dague. Enfin, la lance plutôt. Voilà. Et voilà. Bien joué, Ikari. Ta-da, ta-da-da. Ouais. Vous n'y êtes pas encore. Mais c'est qu'il est fort, ce petit. Faites-le participer à un duel à mort. Bon travail, monseigneur. Il ne mérite aucune éloge. Mes adversaires étaient déjà couverts de blessures. Mais grâce à ce combat, vous avez gagné le droit de participer au duel. Les choses sérieuses commenceront dès vos prochains matchs. Préparez-vous. Et faites en sorte de ne pas mourir. Ce serait con, quand même. Et en même temps, si on meurt dans l'arène, c'est qu'on était vraiment, vraiment pas prêt. C'était quoi, ce pathétique spectacle tout à l'heure, hein? Voilà, évidemment, le gros méchant qui est derrière tout. Maître Borneau, s'il vous plaît, on n'en peut plus. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Ma famille m'attend dans mon village. Bande l'âme. Il va débuter, évidemment. Oh, vaincu, la mort. C'est un bon connard, du coup, lui aussi. Quant à vous, bande de minables, si je vous ai acheté, c'est bien pour que vous me rapportiez quelque chose. Alors allez donc verser votre sang et rafler votre chair pour amuser les clients. Nous avons un petit nouveau venu de l'Occident. Qu'est-ce que vous attendez pour aller l'accueillir? Il est beaucoup trop fort. C'est impossible. Ne servez vraiment à rien, bande d'ordures. Dans ce cas, il est à toi. Zette l'embrocheur. Utilise tes griffes, débarrasse-toi de lui, et tâche d'abreuver le public de sang. Je m'en occupe, maître Borneau. Ah, il va abreuver le public de sang, ouais. De son propre sang, je crois. N'oublie pas que Bandelame te surveille. Fais gaffe à ce que tu fais. Ça lui plaît d'être un toutou, Bandelame ? Bon, il va se faire crever à un moment, à la fin du chapitre, probablement. Restez forts, mes frères. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous battre pour rester en vie dans cette cité. C'est un peu triste si on doit le buter, du coup. Seigneur Ikari, vous avez l'air prêt pour votre duel. Ce combat risque de ne pas être de tout repos. Restez sur vos gardes. Bien entendu. Bon, j'y vais. Bon, on va peut-être d'abord se soigner. Voilà. Alors, vous êtes prêts à vous battre? Les spectateurs assoiffés de sang vous attendent de pied ferme. Mettez-leur en plein les yeux. Il paraît qu'il y a un petit nouveau. Un épéiste du royaume de Ku, ou quelque chose du genre.
Son adversaire sera Zed l'embrocheur. Il a 22 victoires à son actif et n'a pas encore perdu un seul match. En même temps, il serait mort sinon. Et sur lequel devrions-nous donc parier? Rien ne m'amuse, puisque de jouer avec la vie de ces hommes comme s'ils n'étaient que des jetons. Je suis un parfait connard. Ah bah non, Kazan. Qu'est-ce qu'il fait là, Kazan? Et vous, qu'en pensez-vous, mon cher Kazan? Après tout, votre talent vous a permis de passer de simple invité à l'un de nos pères. Cela n'est pas anodin. J'ai juste eu de la chance. Vous savez à quel point ces jeux peuvent être imprévisibles. Mes chers spectateurs, je déclare ouvert les paris de ce soir. En tant que propriétaire de cette arène, je serai en charge d'enregistrer vos enjeux. Les cotes sont à 2 contre 1. Notre duel du jour se jouera entre Zed l'embrocheur et l'épéiste de l'Ouest. Alors, sur lequel allez-vous miser? 800 000 feuilles sur Zed. 1 200 000 de feuilles sur Zed. Pareil, et je monte à 2 millions. N'y a-t-il donc personne pour parier sur son pauvre adversaire? Mais oui, où est passé votre goût du risque? Et si j'augmentais les cotes de l'épéiste à 5 contre 1? Je parie 50 millions de feuilles sur l'épéiste de l'Ouest. Ah ouais. Êtes-vous sérieux, Kazan? 50 millions de feuilles. Une somme bien conséquente. Ressentirez-vous de la sympathie pour votre compatriote? Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole une fois que les jeux sont faits, monsieur le fin stratège. Vous verrez bien. 50 millions de feuilles, 5 contre 1, 250 millions de feuilles. Eh putain. Il a intérêt à nous rendre des thunes, hein, derrière. Mesdames et messieurs, les payistes de l'Ouest. Et son adversaire. Zed l'embaucheur. Ouais, je compte sur toi, Zed. J'ai tous mes yeux sur ta victoire. Serre-toi de tes griffes, mets ces tripes à l'air. Qu'es-tu venu faire ici? Je suis là pour accomplir mon destin. Ne m'en veux pas, ce combat ne finira que lorsque l'un de nous y passera. Cet endroit est comme une prison aux grilles couvertes de sang. Il y a des griffes. C'est embêtant. Tu plaisantes, tu veux quand même pas déjà rentrer chez toi? Que la reine, non. Très bien, alors montre un peu ton courage, la gagnante attend que ça. Bon bah let's go hein. Duel à mort. 4, ça va le faire. Je passerai en force. Un duel à la mort. Et comment? C'est mon travail après tout. Sur vos gardes. Alors est-ce que tu crains l'épée? Tu crains l'épée. Bon bah c'est raté pour toi du coup. Ta-la-ta-ta. Attitude épéiste. Pas par 3 fois au hasard. Bah du coup là. Paf paf paf. Attitude épéiste. On va faire un katana revanchard. Ça fait pas mal de dégâts à chaque fois. Pic. Et bam. 758 dans la tronche. Il va vite clamser, hein. Vraiment très très vite à mon avis. Le pauvre. Ça me fait de la peine. Ah, il craint l'attaque aussi, ok. Ah, il a plus de 1000 PV. Enfin, il a plus de 2000 PV. Il a peut-être combien, 5000. Les yeux de Zed ont changé de couleur. Ah, ben il est mort. Sad. Ils ont changé de couleur, mais ça n'a pas suffi. Hein. Il a éclataxe. Même pas une minute de combat. 50 millions de feuilles fois 5, 250 millions de feuilles. Bien joué.
Impossible. Z a perdu. Cet épéiste de l'Ouest est incroyable. Frappe un ennemi avec sa lance, le ralentit pendant 3 tours. C'est pas mal. 3 tours. On va virer ça. Frappe un ennemi avec son épée, inflige des dégâts modérés. On va virer ça. Est-ce qu'il va réussir à prendre ses feuilles du coup? L'autre il va pas vouloir le payer. On dirait bien que j'ai gagné ce pari, mon cher Borneau. Vous me devez donc 250 millions de feuilles. Pilule. Va se faire casser la gueule à la sortie. Tâchez de ne pas laisser la chance vous monter à la tête, monsieur le stratège. Il a intérêt à nous donner des thunes. Hein. Tue-le, tue-le. Tue-le, tue-le. Ouais, non, mais c'est quoi cette galerie là? On va pas le tuer, nous. Tu vois, je te l'avais dit. Ce combat ne finira que quand un de nous deux mourra. Vas-y. Je suis prêt. Tue-le. Tue-le. Hikari. Hikari. Ah oui, c'est vrai qu'il a une partie sombre, lui. Alors, ne sens-tu pas ton sang bouillir? Pas encore. Mon sang m'appelle. Il a une partie d'ombre, lui, c'est vrai. Bah, il va le buter, du coup. Jusqu'à quand comptes-tu jouer les anges? Sois honnête, Kari. Moi, je le sais, Ikari. Ikari avec des guillemets, hein. Je sais que ta soif de sang est inégalée. Allez, déverse donc ce merveilleux liquide pourpre pour l'amusement de tous. Jamais je ne commettrai de telles atrocités. Laisse-moi disparaître. Ah. Hein? Assez, la victoire est mienne. Ne te fous pas de nous. On veut du sang, du sang. Bah viens dans l'arène, je te découpe la gueule. On dirait bien que notre ami de l'Occident ne veuille pas respecter nos traditions. Hikari. Mes chers amis. Vous avez raison de vous indigner devant l'insolence de cet étranger. Mais ne vous inquiétez pas, je connais l'homme idéal pour corriger la situation. Ah, c'est l'autre qui va le buter du coup. Bain de lame, bain de lame. Yes. Ô vaincu, la mort. Est-ce qu'on va le protéger? On va le protéger. Mais c'est donc toi. Hors de mon chemin, épéiste de l'Ouest. Pourquoi contester un duel qui a déjà un vainqueur et un vaincu? Si tu veux te battre, je suis ton adversaire. Dès le premier regard, je l'ai su. Tes yeux, ce sont les yeux d'un homme qui a contemplé les abysses de la mort. Écoutez-moi, vous tous, et toi, l'épéiste de l'Ouest. Ça sent le boss, là, par contre. Je te provoque en duel à mort. Là, il y a une musique qui augmente, qui monte. On va passer dans un musique de combat. Et on va devoir faire un boss. J'accepte ton défi. Demain sera le jour de ton trépas. Avec ma lame, j'exposerai ta chair et tes os au monde entier. Ah bah non, du coup ça sera demain. Bande de lame, bande de lame. Ouais. Il scande son nom. Sacré bande de lame, il tient le public dans le creux de sa main. Est-ce qu'il va parier ses 250 millions de feuilles sur nous là?
Eh bien, mon cher Kazan, les paris de demain promettent d'être fascinants. Certes. Juste un conseil, ne sous-estimez pas les payistes de l'Ouest. Sale ivrogne. Tu vas voir quand il va crever, tu vas moins faire le mariole, il va faire « Ah non, on va pas lui filer les 1 million de, les 1 milliard de feuilles. » Vous avez réussi, Seigneur Ikari, et vous nous avez même décroché une opportunité inattendue. Un duel avec le héros de l'arène. Si vous en sortez vainqueur, nous ferons fortune. Quel que soit l'adversaire, je ne perdrai pas. Me voilà rassuré. Je vais enfin pouvoir rembourser mes dettes. Je vois que tu caches ta coupe, Kazan. Cela a toujours été un de tes tics lorsque tu mens. Je te connais depuis toujours. J'ai repéré la tristesse dans tes yeux d'aigle pendant le duel. Quel est ton plan, Kazan? Je vous souhaite bonne chance, monseigneur. Ouais. Qu'est-ce qui nous cache cet enfoiros là? Qu'est-ce qui nous cache l'enfoiros? Y'a pas intérêt à nous trahir, l'espèce du connard. Ça sent pas bon là. Il va pas nous les filer les 250 millions de feuilles. Ce serait trop facile. Est-ce qu'on a des aptitudes? Non, pas toujours pas. Pas plus quoi. Ok. Bon, nous allons nous arrêter là pour cet épisode d'Octopath Traveler 2. Parce que ça va être un combat de boss et qu'il nous reste 3 minutes d'épisode. Donc je ne pourrai pas le faire. Donc voilà, c'est pas grave, on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de ce chapitre 2 d'Ikari. Et puis je pense que cette semaine il pourrait y avoir 6, voire peut-être 7 si j'arrive à en glisser un de plus. Mais déjà il faudrait que j'arrive à faire tous mes autres épisodes comme je le veux pour les autres séries. Et puis si j'arrive à en faire un 7ème cette semaine d'Octopath Traveler 2, ce sera pas mal. Voilà, merci à tous d'avoir regardé celui-ci, on se retrouve demain je pense pour la suite. Ciao tout le monde.